C'est parce qu'il y aurait juste le microphone. De... Voilà, c'est fait. Je vais y aller. Alors bonjour, euh, mesdames, messieurs. Euh dans la salle ici et sur Facebook, parce que nous sommes diffusés sur Facebook en direct et ce sera possible aussi de le voir en différé. Mon nom est Régent Hébert, je suis doyen de l'École de Santé publique et ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui en collaboration avec nos partenaires, l'Association de Santé publique du Québec et ses coalitions, la coalition pour la problématique du poids et la coalition pour la lutte sur le tabac. Euh, l'Institut de recherche en santé publique de euh, l'Université de Montréal, l'IRSPOUM, et l'Association des Spécialistes en Santé publique et médecine préventive du Québec. Je suis très heureux d'être là pour un débat. Euh il n'y a pas si longtemps, j'aurais été assis sur l'une de ces chaises. Et d'ailleurs, Vanessa Roy euh, a déjà débattu avec moi en 2014, je crois, euh, et à Sherbrooke. Alors, euh, fait plaisir de vous revoir. Alors, chères représentantes et représentants des quatre partis, euh, merci d'être là et de participer à un, à un exercice démocratique essentiel celle de débattre, de débattre de plusieurs questions qui préoccupent euh, la population. On a beaucoup parlé. Euh, peut-être pas assez encore, mais de l'organisation des, des soins, du système de soins au Québec pendant cette campagne. Et pourtant, euh, le système de soins n'explique que 10 à 20 de la santé de la population. Le reste, ce sont surtout les déterminants de la santé, les habitudes de vie, qui sont responsables de euh, la santé de la population, qui sont responsables de la morbidité, mais aussi de la mortalité. Et on en a bien peu parlé jusqu'à maintenant, d'où l'importance de ce débat. Au cours des quatre dernières années, et ça avait commencé lorsque j'étais ministre, parce que c'était une de mes priorités, on a travaillé sur l'élaboration d'une politique gouvernementale de prévention en santé qui a fait intervenir une vingtaine d'organismes et de ministères. Et cette politique a été rendue publique il y a quelques années. Mais euh, ces actions qui visent les déterminants de la santé méritent d'être soutenues, d'être soutenues financièrement, d'être mises en œuvre, et c'est un enjeu euh, important de cette campagne électorale. Qu'est-ce qu'un gouvernement dirigé par votre parti, et là je m'adresse aux représentantes et représentants des partis, accomplira euh, comme action pour déployer cette politique et son plan d'action? C'est l'enjeu de ce débat, et sans plus tarder, euh, j'invite. Euh, 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 Dr. Alain Poirier, qui est l'un de nos professeurs associés ici à l'École de Santé publique, mais qui est aussi à l'Institut national de santé publique, de venir animer les débats. Bon débat. Merci gens Bienvenue à tout le monde. Euh, aux candidats, bien sûr. Je vais vous expliquer un peu le déroulement. Bienvenue aux gens sur Facebook. On me dit euh, qu'il y a à peu près autant de gens sur Facebook en ce moment qui nous euh, qui regardent la, la discussion qu'il qu y a de, de gens dans la salle. Alors, bienvenue à tout le monde. Je vous explique un peu le déroulement. Alors, je vais animer il y aura quatre thèmes, mais d'entrée de jeu, chacun des candidats, on les a installés par ordre alphabétique auront, je dis chacun des candidats, mais le Parti libéral nous, euh, nous a délégué le président du Parti libéral, M. Attala. Donc, les, les, les représentants vont, euh, à tour de rôle, nous faire un deux minutes d'introduction sur le grand sujet santé publique, prévention déterminant de la santé. Et après, dans les quatre thèmes, ils auront encore un deux minutes et là, on entrera après en échange avec la salle. Pour une dizaine de minutes. Je dis en échange avec la salle, mais on reçoit aussi des questions des gens sur Facebook. Donc, Mme Huot, qui, qui est en quelque part, qui reçoit, les, qui est là, qui reçoit les questions de tout le monde en, en ligne, euh, viendra aussi au micro pour adresser, euh, diriger une de ces questions. Pour tout le monde, euh, autant que possible, ça peut être une question aux quatre représentants, mais ça peut être aussi une question euh, dirigée vers un. Là, vous précisez, vous vous nommez et vous précisez à qui vous faites la la présentation alors on va débuter tout de suite je vais inviter les quatre représentants à venir s'asseoir et je vais vous les présenter tout de suite sommairement si on va avoir un peu de temps de débat. alors dans l'ordre alphabétique on a Mme jacinthe eve Harel euh, qui, qui, qui est ici bonjour alors madame Harel est gestionnaire de carrière spécialisée dans les dossiers de santé publique euh, et des services sociaux elle a occupé différents postes de gestion. Euh, dans le réseau de la santé, notamment au CHU Sainte-Justine, au C3S de Haut-Richelieu. Elle a été aussi administrative au Conseil d'administration de l'Association pour la santé publique. Avant de faire le centre politique, elle était journaliste et chef d'antenne. Elle a une formation de base en criminologie et en sciences politiques à Ottawa. Vous me corrigez si je, je dis des bêtises. Et euh, elle a récemment eu une formation ici à l'ESPOUM euh, au micro-programme en santé publique pour les gestionnaires en exercice. Alors, bienvenue, Mme Harel. Je vais de dire que vous êtes, la Porte, hein? vous êtes euh, euh, candidate de la CAQ dans le comté de La Porte. Ensuite, toujours par l'alphabétique, M. Antoine Attala, bonjour M. Attala, Et qui est donc un pharmacien âgé de 30 ans, il, euh, a travaillé, euh, il travaille pour le travail, il est président du Parti libéral euh, depuis, euh, depuis combien de temps, M. Attala? Depuis dernier. C'est nouveau, donc presque, pas tout à fait un an, D 11 mois. 11 mois intense on, on, dans, on une... dans la marmite depuis longtemps. Voilà. Alors, donc, il est pharmacien et euh, il est, euh, se dit, le, le candidat des militants. Euh, il a grandi avec le parti et euh, dans un rapport à ma direction du PLQ l'an dernier, euh, il y avait un, un, une présentation euh, apparemment forte et Et donc, c'est le Parti libéral a choisi de nous euh, désigner M. Attala, qui a donc un passé dans le domaine de, de la pharmacie. Euh, un passé et un présent, devrais-je dire. Oui, ben je suis toujours pharmacien propriétaire de votre voilà. tremblant. Ensuite, toujours par alphabétique, nous avons Mme Diane Lamarre, qui est, euh, là, je dois dénoncer un conflit de elle c'est ma députée, dans, je, je suis de Taillon. Mme Lamarre est députée actuellement euh, à Taillon, sur la Rive-Sud. Mme Lamarre est pharmacienne de formation, de, ici, de l'Université de Montréal. Elle a aussi une maîtrise en pharmacie, à l'Université de Montréal. Et euh, elle a été euh, chroniqueuse, hein, mais aussi professeure-chercheure à la faculté de pharmacie, ici, à l'Université de Montréal, euh, dans le domaine des soins pharmaceutiques. Et elle a été présidente de l'Ordre des pharmaciens du Québec pendant quelques années. Cinq ans. Cinq ans, voilà, avant de, de débuter, je dirais, l'engagement politique. Donc, députée de Taillon sur la rive sud. Et Mme Roy, Vanessa Roy, qui est physiothérapeute de formation, qui est la représentante de Québec Solidaire, euh, qui a euh, donc physiothérapie, mais aussi une formation en droit et politique de la santé. Et euh, elle a été en, pendant quelques années en CLSC. Elle est à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, qui, comme pour les plus jeunes d'entre vous, c'est l'ancêtre, mais toujours vivant, des, des CLSC donc, euh, à Pointe-Saint-Charles. Alors, bienvenue, Madame Roy, vous êtes, vous, quand, candidate dans Verdun. Alors voilà, donc, comme je l'ai dit, vous avez chacun, on va y aller par ordre alphabétique, un deux minutes d'introduction sur le sujet d'une politique gouvernementale en prévention ou des déterminants. Évidemment, vous, vous connaissez tous euh, ce, 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 notre jargon, notre vocabulaire, qui veut dire qu'essentiellement, oui, il y a des soins, c'est ce qu'on entend parler dans le système de soins et de services, mais qu'il y a tellement d'autres déterminants, dans tous les engagements de vos partis d'ailleurs, tellement d'autres déterminants pour améliorer la santé des Québécois. Alors, Mme Arel. Merci. Et tout d'abord, merci d'être si nombreux, mais merci d'être présents, merci à ceux aussi qui sont en ligne et qui s'intéressent à la santé publique, à la santé durable. Euh, Lorsqu'on parle de santé, on fait trop malheureusement référence... À la prestation de soins et pas assez à la promotion de la santé et à la prévention. Et euh, des débats comme ceux-ci permettent de faire connaître l'importance d'avoir un système de santé qui met de l'avant toutes les pratiques en promotion de la santé et en prévention de la santé. Bon, vous l'avez entendu dans l'introduction, je crois euh, fortement à l'importance de promouvoir euh, la promotion de la santé et la prévention. J'ai étudié euh, dans ce domaine, j'ai géré les programmes de santé publique aussi euh, dans euh, mes différentes responsabilités responsabilité comme gestionnaire dans le réseau de la santé. Et malheureusement, la santé publique, pour l'instant, on parle encore beaucoup de vaccination et pas assez d'autres choses en santé publique, comme tout ce qui a trait euh, finalement à l'importance qu'on doit accorder dans nos politiques publiques euh, à la promotion de la santé et euh, à la santé durable. Euh, je sais que l'Association pour la santé publique du Québec. Euh, Parle maintenant de santé durable. Euh, les gens sont de plus en plus conscientisés à, à l'environnement durable, mais la santé durable doit passer par un autre discours que la prestation de soins. Mais vraiment, on doit regarder euh, les sphères de santé dans toutes les strates de nos politiques publiques, même en transport, même en environnement et euh, même en économie. Il faut parler aussi d'économie de la santé pour mettre davantage l'emphase sur l'importance que euh, la, les, les réductions qu'on peut avoir dans notre système de soins euh, si on met davantage d'investissement, si on investit davantage en santé publique. Euh, donc, euh, j'ai hâte qu'on entre dans les différents thèmes euh, pour euh, regarder comment tout ça va s'articuler. Mais on sait qu'on est extrêmement en arrière en santé publique au Québec et il faut vraiment euh, donner un coup de barre. Merci, Mme Arroy, pile poil. Euh, J'ai, moi, un petit chrono que vous ne voyez pas, qui me dit en l'air qu que vous avez les deux minutes. Quand ça devient jaune, ça veut dire qu'il reste 30 secondes. Si vous ne l'avez pas vu, je vais m'avancer, vous ferez des signes quand il en reste 20 ou 10. Je voulais juste vous préciser, euh, on ne vous coupera pas le micro, mais c'est moi qui est le méchant père tard. Alors, M. Attalab, euh, deux minutes pour introduire. Merci. Donc, euh, bien, comme, vous, comme on le disait tout à l'heure, je suis le président du Parti libéral du Québec. Je suis aussi pharmacien de profession, propriétaire. Donc, euh, j'ai cette expérience de travailler avec le patient à chaque jour. Euh, comme l'ensemble de mes collègues ici, je peux constater à chaque jour à quel point euh, la prévention en santé doit être une priorité pour les prochaines années. Euh, C'est un des principaux facteurs du, de, qui va déterminer la santé de nos patients. Et si on veut limiter l'accroissement des soins de santé sans accaparer l'entièreté des budgets de l'État, il faut investir massivement en prévention. Et ça ne doit pas se faire seulement dans une logique euh, médicalo-centrée ça doit se faire à travers tous les ministères, que ce soit en économie, en environnement il faut travailler sur les inégalités sociales. Et vous serez heureux de constater que le Parti libéral du Québec a développé des solutions pour chacune de ces problématiques. En fait, ce sont des opportunités que nous avons à travers la prochaine élection d'élire un gouvernement qui croit fondamentalement qu'on peut changer la vie des gens, qu'on peut faciliter la vie des gens et qu'à travers ces actions-là, on aura un impact concret, mesurable sur la vie de chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Madame Lamar. Alors, merci à euh, l'ESPOM de nous accueillir, d'avoir euh, créé ce, ce moment d'échange, de, de conversation. C'est vraiment. Euh, très souhaitable. Il euh, y a peut-être un élément, euh, Alain, dans, dans la présentation, j'ai été présidente de Pharmaciens sans frontières euh, pendant plusieurs années, donc j'ai fait plusieurs missions dans des pays en développement et dans des pays de guerre, euh, Bosnie-Kosovo. Et quand on va dans ces pays-là, on prend la mesure, je vous dirais, des extrêmes, de ce qui est nécessaire et de ce qui n'est pas nécessaire. Et clairement, la santé publique est un élément essentiel, c'est un vrai déterminant de la vraie santé. Et euh, je, je suis vraiment, j'ai été une des pharmaciennes qui, en euh, Montérégie, a participé à des programmes, oui, non, mais, sur la prévention d'utilisation des médicaments. Euh, j'ai fait des consultations en CLSC, en CHSLD, et je sais qu'au niveau de la santé publique, on a euh, un déficit de visibilité. Je trouve que trop souvent, on est, euh, on est sous... sous vous appréciez, sous médiatisé, et pourtant les éléments les plus constructifs, les plus solides de l'amélioration de la santé passent par la santé publique. Et on n'a qu'à voir comment, euh, par exemple, la façon plus responsable de consommer l'alcool a eu des impacts. Comment, au niveau du tabagisme, on a travaillé très fort. Quand j'étais présidente de l'Ordre des pharmaciens, je travaillais très fort. On a tellement encore à faire parce que c'est encore pas acquis pour les, pour les jeunes en particulier, que le tabagisme tue. Et, et donc, on a vraiment. Donc, ce que j'apprécie de la politique gouvernementale qui a été mise en place, c'est cette volonté de faire intervenir des gens de façon transversale. Parce que ça ne rejoint pas juste le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais l'ensemble des, des ministères, l'ensemble de tous ceux qui influencent le quotidien. Et l'avantage de la santé publique, c'est d'avoir une vision sociétale. Bien là, je tout un message. <laughs> Merci, merci bon, beaucoup, Mme Lamande. Alors, Mme Roy, euh, de Québec solidaire. Oui, bonjour. Merci énormément d'être là aussi. Merci aux organisateurs et aux organisatrices. Donc, comme mentionné en introduction, je suis physiothérapeute. Euh, J'ai toujours travaillé en CLSC depuis que je suis sortie de l'université, en soins à domicile, puis… Euh, J'adorais mon travail, mon but c'était vraiment d'aider les personnes aînées à rester à la maison le plus longtemps possible, de favoriser leur autonomie au maximum et au début de ma jeune carrière, j'avais l'impression qu'on avait un peu plus de place pour faire de la prévention. Donc par exemple, je me souviens, on avait travaillé moi et une organisatrice communautaire à développer une alternative de transport pour les aînés en région rurale pour faire en sorte qu'elles puissent sortir plus facilement de chez elles, contrer l'isolement et favoriser qu'elles puissent participer à des activités épanouissantes. Donc au début de ma carrière, j'avais l'occasion de faire ça, ça s'est corsé en cours de route. Euh, en gros, la santé durable, ça serait le fun qu'on se donne une définition. En fait, nous, à Québec solidaire, comment on le voit, c'est la capacité d'une personne de s'épanouir tout au long de sa vie dans un état complet euh, de santé au niveau mental, physique et social. Et ça, en étant capable de participer à des activités qui sont significatives et en étant capable d'évoluer dans un environnement qui est sain. C'est un peu ça notre définition. C'est pour ça qu'en santé, on a des mesures, oui, pour le 10 qui est d'améliorer les services de santé, mais le gros de nos mesures, c'est vraiment sur le 90 de déterminants sociaux de la santé. Deux catégories majeures, régler les inégalités sociales de santé et agir sur notre environnement. Ça a été ça, les deux grands volets de notre campagne. Inégalité sociale, on n'a qu'à penser à la nécessité d'augmenter le salaire minimum à 15 de l'heure. Le revenu, ça a un énorme impact sur la santé de la personne. Que ce soit aussi d'intervenir pour bâtir plus de logements sociaux salubres, rénover ceux qui nécessitent des rénovations majeures, ça aussi, c'est un déterminant social de la santé. Tout notre programme, notre plateforme est orientée pour agir sur ce 90 %-là, le plus possible, et réallouer l'argent du... Médical et de l'hôpital vers les CLSC, le public et les équipes interdisciplinaires. Bien, merci. Vous voyez que je n'ai pas un grand travail à faire. Tout le monde est très discipliné euh, sur le mot d'introduction. On a maintenant… Quatre thèmes. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je rappelle les thèmes parce que parfois vous pourriez avoir l'intention de poser une question qui viendra un peu plus tard pour ceux qui n'auraient pas, pas, pas ces thèmes en mémoire. Alors, on va commencer justement par les inégalités sociales. On sait évidemment que c'est inscrit à la base dans la loi de santé publique, c'est inscrit comme étant très important dans la politique gouvernementale de prévention en santé. Si on était capable, quand on signe une feuille de décès, de dire que la pauvreté est une cause, on ne le fait pas, euh, les professionnels de la santé, mais quand on le calcule en regardant le gradient des inégalités de santé en fonction du revenu, on peut attribuer comme deuxième cause de décès la pauvreté. C'est pas rien. Donc, c'est majeur, même si on le voit pas officiellement dans les statistiques. Donc, ça sera le premier sujet euh, où chacun aura deux minutes. Et euh, après ça, on, on entre avec les questions. Le deuxième sujet, c'est euh, les habitudes alimentaires euh, de façon générale, avec bien sûr les environnements favorables de ces habitudes alimentaires. Puis, le mode de vie physiquement actif, nuance avec seulement la promotion de l'activité physique, puisque que ce soit par transport actif, transport collectif, il y, a des, des, il y a des moments, et dans les loisirs, des moments pour avoir une vie euh, euh, avec plus d'activité physique, qui, nous, qui est tellement un bon indicateur de notre forme. Puis le dernier thème, ce sera sur les investissements en santé publique dans nos organisations. On sait qu'on a vécu dans les dernières années certaines réductions des budgets des équipes régionales de santé publique. Donc, euh, au-delà de ça, euh, de façon générale, on est euh, autour, on a déjà été en haut de 3, on est plus proche de 2 maintenant. L'OMS recommande 5 des 20, des investissements. Ce sera le cinquième thème sur lequel on débattra. Je vous les donnais pour situer un peu l'ordre dans lequel on va commencer. Alors, le premier, c'est ces fameuses inégalités sociales de santé que j'ai contextualisées un peu. Et vous avez donc chacun autour de rôle un, 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 deux minutes là-dessus avant d'aller avec la salle et les gens sur Facebook. Alors, on commence avec Mme Harel. Euh, pour les inég inégalités sociales de santé, eh bien, on commence. Euh, il y a plusieurs volets à ça, mais commençons par les revenus. À la CAC, on veut promouvoir des emplois plus payants. Et pour être moi-même monoparentale avec trois enfants, je ne comprends pas comment un gouvernement aurait comme objectif pour enrichir la collectivité et pour enrichir les pauvres de dire on va monter le salaire minimum à 15 dollars et là on va régler une bonne partie des problèmes. Moi je ne pense pas comme mère monoparentale avec trois enfants à 15 dollars de l'heure le gouvernement vient de régler mes problèmes et vient me sortir de la pauvreté. On ne sort personne de la pauvreté avec des salaires à 15 dollars de l'heure. Ce que la CAC veut faire c'est s'assurer qu'on garde nos sièges sociaux, s'assurer qu'on attire des entreprises qui créent des emplois plus payants. C'est important de s'assurer que nos citoyens ont accès à des, employés, à des emplois bien au-delà de 15 de l'heure. Pour avoir accès à des emplois plus payants, eh bien, il faut s'assurer que notre économie soit forte. C'est ce que la CAQ propose. C'est important d'avoir une économie qui est forte. Il faut aussi s'assurer que nos jeunes soient diplômés. On a le pire taux de diplomation au Canada. Il faut s'assurer qu'on redonne envie aux élèves, on redonne envie aux décrocheurs de s'accrocher. Et pour ça, il faut que l'école s'adapte aux élèves et non pas que les élèves s'adaptent à nos écoles. Et c'est l'erreur qu'on a fait dans les euh, 20 dernières années, c'est de s'attendre à ce que nos élèves s'adaptent à nos écoles. Maintenant, nos, nos jeunes aiment les tablettes électroniques. Mon, mon enfant, moi, il n'aime pas faire ses mots dictés avec un papier et un crayon. Mais si je lui dis « Fais tes mots dictés sur un iPad ben, », il aime ça. Il aime ça faire des mathématiques sur des écrans. Il faut moderniser nos approches, il faut moderniser nos écoles. La CAQ veut moderniser nos écoles autant dans ses infrastructures que dans son approche. On veut aussi dépister précocement les problèmes d'apprentissage. On va le faire notamment avec les prématernelles 4 ans, mais notamment en investissant dans la prévention en CLSC. Merci beaucoup, Mme Harrell. M. Attala, sur les inégalités. Bon, bien, écoutez, nous, on va vous parler concrètement de, de, de pauvreté. On ne va pas faire un détour par l'économie. Il y a des familles comme vous qui sont monoparentales. Il y a des familles qui, qui vivent dans la pauvreté, qui ont besoin d'un petit coup de pouce. C'est pour ça que nous, on a un plan pour sortir 100 000 personnes de la pauvreté. On va s'attaquer en priorité aux gens qui ont des contraintes sévères à l'emploi. Donc, ça, ça veut dire des gens qui ne peuvent pas réintégrer facilement le marché du travail. On va en sortir 80 000 de la pauvreté. Comment par un revenu minimum garanti. Donc, à terme, d'ici quatre ans, ça va représenter 5200 200 de plus personne dans cette catégorie-là. Donc, vous comprendrez directement que ça a un impact direct sur leur capacité à s'acheter des aliments frais, à se déplacer pour aller à leur consultation médicale. Moi, je le vois chaque jour comme pharmacien. Il y a des gens qui se privent de prendre leurs médicaments, qui se privent de leur rendez-vous médical parce qu'il manque un petit coup de pouce à la fin de la journée. Donc, oui, il faut travailler sur le, le domaine de l'économie. On, on le sait, on travaille là-dessus. On a l'économie la plus dynamique au Canada. Il y en demeure pas moins que quand tous les bateaux montent, il faut aider aussi à mettre du vent dans les voiles des bateaux euh, qui restent un petit peu en arrière et aider ces gens-là à aller de l'avant. Sur ce qui est de l'éducation, on veut avoir des maternelles 4 ans, élargir le réseau, on va amener la gratuité aussi pour les enfants qui sont en service de garde à partir de 4 ans. Pourquoi Pour assurer une équité entre les jeunes qui sont soit en garderie conditionnée, subventionnée et ceux qui sont en maternelle 4 ans, de façon à ce que dans certains milieux où les parents sont plus réticents à envoyer leurs enfants en service de garde, bien, quand on leur donne des options d'aller à l'école, ils puissent le faire. Puis nous, on va le faire de façon responsable. Parce que la CAC dit qu'ils veulent en mettre partout, mais ça, c'est promettre de mettre le bordel pour les quatre prochaines années parce qu'ils n'ont pas les classes pour les mettre. Donc, nous, on veut travailler sur les deux, sur les deux euh, niveaux. On veut travailler sur l'éducation, qui est le meilleur vecteur pour sortir les gens à long terme de la pauvreté. Mais à court terme, il faut faire quelque chose pour ces familles-là, ces enfants-là, ces mères de famille monoparentales-là, qui n'auront pas, pas cherché un doctorat en 24 heures. Il faut leur donner un petit coup de pouce pour sortir de la pauvreté. Merci, M. Atala. Mme euh, Lamarre. Alors pour nous, c'est sûr que l'inégalité sociale, ça passe par trois euh, éléments. Il faut corriger, d'abord l'accès à l'éducation, l'accès à un logement salubre, sécuritaire, et le revenu. Alors, ces trois éléments fondamentaux. Et donc, dans l'accès à l'éducation, clairement, et, et je peux vous en parler parce que dans Taillon, ma circonscription, on a des zones à longueuil de très, très grande pauvreté et des secteurs beaucoup plus favorisés. Dans les secteurs de grande pauvreté, les CPE font toute la différence. Les centres de la petite enfance, on accueille les enfants à partir de l'âge de 18 mois. Moi, je comprends mal les parties qui investissent juste à partir de 4 ans. Tout le monde, tous les experts disent que très, le plus tôt possible, on doit aider à dépister un trouble du langage. À le corriger, à dépister les problèmes de comportement, les problèmes sociaux, familiaux. Et j'en ai été témoin de situations tragiques auxquelles les enfants, déjà à un an, un an et demi, étaient exposés. Alors, on doit les accompagner dès le début. Et le CPE fait, est vraiment euh, reconnu à travers le monde. Alors, pourquoi vouloir briser ce modèle qui appartient au Québec et qui fait... Il fait preuve de, de référence partout ailleurs. Loi bouclier pour arrêter de couper, ce que je trouve complètement innommable, ce que le Parti libéral a fait, de couper les orthopédagogues dans les écoles primaires, c'est inconcevable. Euh, le logement, on a 5000 logements sociaux, soutien à domicile intensif et il faut vraiment y mettre un budget clair. On a un retard par rapport à beaucoup de pays avec le vieillissement de la population. Les gens aînés, ils ne veulent pas qu'on investisse dans du béton, ils veulent qu'on investisse dans des soins et dans des les êtres humains qui sont proches d'eux et qui les aident dans leur quotidien à garder leur appartement propre. Et les logements sociaux, il en faut plus. On a des gens qui ne naissent pas tous égaux. Et vraiment, il y a des gens pour qui c'est impossible d'accéder à, à première vue à des, à des emplois ou à des situations qui vont leur faire... Quand les gens vivent des détresses à, en très bas âge, c'est incroyable. Et j'ai des témoignages dans mon quotidien de comment les gens travaille fort après pour récupérer ces injustices sociales. Il faut travailler très tôt au, à la justice sociale. Je vous parlerai un peu plus tard. Revenu 15 un minimum pour tout le monde, descend à l'intérieur de 4 ans. Merci, Mme Lamar. madame Roy, sur les inégalités. Mm. Les, inég les inégalités sociales de santé, c'est vraiment le concept où, de plus en plus, avec les politiques qu'on crée ou avec la direction que prend notre économie et notre incapacité à faire face, par, à, par exemple, aux défis climatiques, ça crée de plus en plus un énorme écart entre les personnes les plus vulnérables, les plus pauvres de notre société, puis les personnes de la classe moyenne ou les personnes les plus riches. Donc, vraiment, quand on veut s'attaquer aux inégalités sociales de la santé, c'est par exemple quand on constate qu'à en maisonneuve l'espérance de vie est à peu près de 10 ans moins élevée qu'un autre quartier de Montréal, par exemple, Outremont. Donc, la preuve, de la CAQ, par exemple, c'est d'essayer d'augmenter le salaire des personnes qui vivent à Outremont par rapport à nous, à Québec solidaire. Notre approche, c'est de s'assurer que les personnes vraiment les plus vulnérables, les plus en détresse, qui aient le minimum pour vivre. C'est ça qui va nous aider à réduire l'écart entre les personnes les plus pauvres et les personnes les plus riches. Ce n'est pas de dire qu'avec 15 on arrive à avoir un train de vie incroyable. Loin de là, en fait, ce n'est que le minimum pour être capable de subvenir à se nourrir convenablement, acheter des fruits et légumes, se transporter et se payer un petit luxe à chaque mois. C'est vraiment le minimum. Et si on n'est pas capable, comme société riche, d'amener la, la majorité de notre population à ce niveau-là, euh, à quoi on sert les politiciens, là, sérieusement? C'est vraiment pour ça que j'ai envie de m'impliquer. On parle de sortir 100 000 personnes de la pauvreté, mais qu'est-ce qu'on fait avec les 700 000 autres qui sont extrêmement pauvres en ce moment? On leur dit attendez un prochain mandat libéral ou caquiste, ça n'a pas de bon sens. Donc, par exemple, ce qu'il faut faire pour réduire les inégalités sociales, c'est réinvestir massivement dans notre réseau de CPE parce qu'eux, ils accompagnent nos enfants dès la naissance, dès l'âge de un an, puis ils les suivent jusqu'à temps qu'ils rentrent à la maternelle. Et nous, ce qu'on veut, c'est rendre Enlever toute barrière financière à l'accès au CPE, donc les rendre gratuits, et ça partout au Québec, parce qu'on considère que ça fait partie de notre système d'éducation et qu'on devrait vraiment plus développer là-dedans aussi la condition du logement euh, on ne peut pas demander à une mère de s'acheter à euh, manger 5 portions de fruits et légumes par jour et faire 30 minutes d'activité physique par jour si elle n'est même pas capable d'arriver et qu'elle vit dans un logement insalubre où il y a de la moisissure ses murs son enfant va développer des problèmes respiratoires et euh, on va essayer d'intervenir de façon très médicale en ce moment mais sans penser à aider cette personne à trouver un autre logement nous on veut renverser cette vapeur là Merci, Mme Roy. Alors maintenant, on entre en échange avec la salle. Vous avez, on a une dizaine de minutes pour des questions de vous ou des gens qui sont sur Facebook qui peuvent transmettre des, des questions à Mme Murth. Alors, vous avez deux micros. Vous, vous identifiez et si vous euh, dirigez votre question à une personne en particulier, faites-le. Sinon, à tour de rôle, les gens pourront... Euh, Pourront répondre. Alors, je vois personne qui se lève. Est-ce que sur Facebook, on a des questions qui arrivent? Bon, alors, ça doit être à moi de poser des questions à ce moment-là. Si vous ne voulez pas continuer de demander. Vous avez une question, madame? Allez au micro, s'il vous plaît. Vous vous identifiez et euh, vous dites à qui euh, s'adresse votre question. Oups, c'est un petit peu. Attendez. Un peu. Bon, c'est bon. OK. Alors, euh, ben, dans, dans un premier temps, j'aimerais m'adresser à M. Attala. Euh, pardon, avant, mon nom, c'est Francine Boucher. Je m'adresse à M. Attala. Vous avez parlé d'entrée de jeu, qu'il fallait avoir un investissement massif, avez-vous dit. Or, on sait que, dans le dernier mandat, euh, il y a eu comme des coupures d'environ de un tiers pour euh, du budget adressé… Euh, à la santé publique. Euh, moi, je, je veux savoir de quel ordre vous, vous parlez. Est-ce que ce serait juste du rattrapage ou c'est juste euh, ou du maquillage ou c'est euh, vraiment une détermination détermina, euh, à, à mettre euh, des priorités pour la santé publique? Et voilà, dans un premier temps. Je vous remercie pour votre question. Aussi, excusez-moi, là, les, les idées ne me viennent pas toutes simultanément. Mais euh, on parle de, de, de budget, mais le revenu est important. or on a vu que euh, avec l'austérité durant le dernier mandat, ça a, fait, euh, ça a exercé beaucoup de coupures dans toutes sortes de programmes euh, de la santé et des services sociaux. Et euh, on sait aussi que euh, le budget pour les, euh, les bonnes habitudes de, de vie, euh, ben si on vous attribue juste 75 piastres pour faire votre déprécié par semaine, avec euh, toutes les… les <laughs> ce qu'il y a. Je ne sais pas. Il me semble qu'il y a des contradictions qui émergent dans le discours. Merci. Merci. Bien, je vous remercie pour vos, vos questions. C'est tout à fait des très bonnes questions. Euh, donc, pour le 75 dollars, évacuons cette question d'emblée. Euh, je pense qu'on a répondu très clairement, mais pas tout le monde a, a, a perçu cela. Euh, C'est tout à fait dommage que des gens doivent faire leur, leur épicerie avec 75 dollars. La plupart des gens ne peuvent le faire ou s'ils le font, ils arrivent avec extrême difficulté. Et notre objectif de ça, c'est de s'assurer que personne ne doit le faire. Euh, donc, le, notre objectif, justement, c'est de donner les moyens à chaque famille de, de vivre dans la dignité, d'avoir des ressources pour le faire, d'avoir un bon emploi pour être parvenir euh, à boucler les fins de mois. Et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on va continuer à, fa à faire. Sur la question des investissements plus globaux, on ne peut pas isoler le budget de la santé publique ou strictement des mesures identifiées euh, santé publique en isolant des autres ministères, comme j'ai dit plus tôt. Le budget global de la santé a augmenté de 5,9 milliards depuis qu'on est arrivé au gouvernement en 2014. Donc, vous voyez que les investissements sont là où on a promis qu'ils seraient. On avait promis 4 de croissance annuelle des dépenses en santé. On est là. On a promis que pour le prochain mandat, la croissance des dépenses en santé va être de 4,2 On va le faire. Pourquoi? Parce qu'on a récupéré les marges de manœuvre dont on avait besoin. Il faut avoir des programmes qui sont efficaces. Il faut avoir des indicateurs ciblés pour y arriver. Euh, cela étant dit, je peux vous parler d'investissement. Vous voulez qu'on parle d'investissement pour Montréal notamment? On a fait le REM. Pourquoi? Pour s'assurer qu'il y a une mobilité, que les gens passent moins de temps dans le transport. Il y a beaucoup d'inégalités dans les temps de transport. Ce n'est pas identifier santé publique nécessairement, mais ça rentre là-dedans aussi. Les gens qui restent assis dans leur voiture plus longtemps, une heure, deux heures par jour. Bien, il y a plus de liens avec l'embonpoint point. Vous le savez, vous êtes dans ce domaine-là. Donc, je pourrais vous énumérer tout un paquet de mesures. Euh, c'est vrai avec la ligne bleue pour l'est de Montréal. On a parlé de l'est de Montréal. Il faut décontaminer aussi les sols contaminés. Il y a, il y a tout un paquet de mesures qu'on peut faire. D'avoir une approche strictement comptable de regarder un programme en particulier, malheureusement, c'est réducteur. Mais c'est une très bonne question. On va continuer à investir. Pourquoi Parce qu'on a les marges de manœuvre. Je n'ai pas interrompu, Mme Boucher, mais vous savez que le quatrième thème, on parlera d'investissements plus spécifiques en santé publique. Là, évidemment, on est parti dans la bonne direction, c'est-à-dire les investissements en général pour réduire les, les impacts des inégalités, et de la pauvreté. Donc, ça peut être dans le transport, ça peut être dans d'autres secteurs, mais le, le, le thème ici, c'est sur les inégalités. J'ai vu Mme Auroi, Mme Lamar, je ne sais pas si Mme Morel veut réagir là-dessus. Mme Auroi? Les investissements en général, en fait, dans notre système de santé actuellement, les trois plus gros postes de dépenses où vraiment on perd énormément d'argent, c'est les médicaments, les hôpitaux et euh, le salaire des médecins. Donc, à Québec Solidaire, on a vraiment précisément sorti des mesures pour être capable d'aller chercher de l'argent dans ces postes de dépenses-là, réduire ces dépenses-là et les réallouer vers les endroits qui sont le plus capables de faire de l'action sur les inégalités sociales de santé et de la prévention et de la promotion. C'est nos CLSC qui sont déjà bâtis, clairs, déjà partout sur notre territoire. Et au sein de CLSC, on a des équipes interdisciplinaires incroyables qui travaillent main dans la main avec les organismes communautaires. Un exemple à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles où je travaille. Récemment, on a fait un programme ⁇ Moi, je décroche mon diplôme ⁇ c'est un petit programme qu'on avait la flexibilité d'implanter parce que euh, le CLSC n'a pas été intégré avec les Cius, Donc, on peut développer des programmes comme ça très facilement. C'est d'accompagner des mères monoparentales avec des enfants à, re, à finir leurs études euh, au secondaire pour les réaccompagner progressivement vers le marché du travail. Donc, cette initiative-là a été faite par des travailleurs sociaux du CLSC, mais en, en collaboration avec des organismes communautaires. Ce genre d'action-là, on ne verra jamais ça dans un GMF. Donc, si on veut vraiment se donner les moyens d'agir sur les inégalités sociales de santé, il faut qu'on mise beaucoup plus massivement vers nos CLSC de façon la plus décentralisée possible pour leur permettre de faire des initiatives comme ça incroyables, inspirantes, adaptées au, à chaque quartier. Merci, madame. Madame Lamarre, vous vouliez parler d'inégalité. Alors, j'ai suivi beaucoup de près les projets de loi du gouvernement libéral dans les quatre dernières années et jamais un gouvernement n'a mis autant d'accent sur des mesures qui, étaient, qui enlevaient aux plus vulnérables pour redonner aux plus fortunés. Jamais. On a enlevé aux gens euh, en CLSC, on a coupé les CLSC, on a déplacé des professionnels, psychologues, travailleurs sociaux. On a coupé un demi-million d'heures en soutien à domicile en 2016. Ce sont les chiffres du ministère en soutien à domicile pour les aînés on a vraiment pris des mesures où on a épuisé les professionnels du euh, terrain, les professionnels les moins bien rémunérés en général, les préposés, les infirmières auxiliaires, les infirmières, on a une augmentation de 60 millions de dollars seulement en prestations d'assurance salaire à cause de l'épuisement professionnel. Ce 60 millions là, là si on l'avait mis à déployer des mesures en santé publique, on aurait eu de bien meilleurs résultats. Alors le REM n'est vraiment pas un modèle de transport collectif. On va avoir un autre thème où on va en reparler. Mais tout le monde qui va devoir se rendre au REM va devoir prendre sa voiture. C'est pas trompant. Alors c'est vraiment le contraire d'un mé mécanisme et d'un moyen déployé de ce transport collectif actif. Alors c'est vraiment triste de voir que le gouvernement libéral non seulement euh, persiste, mais il signe en plus. Et c'est ce qui nous annonce pour la suite. Madame Harel, vous voulez réagir sur la question des inégalités? Vous avez raison, Madame. On a énormément coupé dans les dernières années euh, dans, euh, dans les budgets de santé publique. Et maintenant, euh, on propose de... Ré ce qui est proposé par le gouvernement actuel, c'est de réinvestir là où on a coupé. Mais on n'appelle pas ça des investissements nouveaux, ça. Et c'est important euh, d'avoir de, des investissements nouveaux et de progresser. Parce que si on fait trois pas en arrière et on propose, hey, on va avancer de deux pas, ben c'est pas ça, le progrès. Le progrès, c'est de s'assurer qu'on avance toujours. Et en santé publique, on a pris un gros recul. Euh, L'autre chose, à ce qui concerne, en ce qui concerne les inégalités sociales, j'ai pas eu le temps de mentionner, mais effectivement, le logement, le logement social social fait partie des mesures sur lesquelles un gouvernement responsable doit euh, mettre de l'emphase pour s'assurer que tout le monde a accès à des milieux de vie euh, plus adéquats et des milieux de vie abordables aussi. Et je veux juste revenir sur un commentaire que ma collègue de Québec solidaire a fait euh, quand on parle d'avoir des emplois mieux rémunérés, on ne parle pas d'avoir des meilleurs emplois mieux rémunérés à Outremont. Je ne comprends pas du tout Ce, cette désinformation à propos des idées de mon parti. Je pense que ça serait respectueux de commenter notre, nos idées de notre propre parti. Euh, J'ai un exemple à vous donner. L'usine Electrolux dans la Nodière a dû fermer ses 1 700 postes à 25-30 de l'heure qui a fermé en région. Il n'y a pas juste. Euh, euh, il y a pas, et ce sont des gens de milieux euh, plus… Bon, c'est pas si éloigné que ça. Là. Moi, j'habitais euh, au Témiscamingue. Là, on parle de vraiment milieux éloignés. Mais il reste que ce sont des milieux en région, euh, ce sont des emplois en région qui étaient importants pour ces 1 travailleurs-là, ces 1 700 familles-là. Et euh, finalement, le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités de s'assurer de garder cette usine au Québec. Merci, Mme Arel. Euh, on va, euh, on, il nous reste à peine deux minutes pour ce débat. C'est comme ça quand on donne la parole à des, euh, des candidats ou candidates. Ils ont, vous aurez l'occasion de, sûrement de réagir. Mais là, je vois. C'est tous les gens qui veulent poser des questions, ça? Ah mon Dieu. Il nous, reste à, il nous reste moins de deux minutes. Alors, une question de dix secondes dirigée. Et on va devoir passer à une autre. Euh, Sujet. allez Madame. Bonjour. Je m'appelle Anne-Sophie Courtois. Ça va être mes premières élections où je vais voter au Québec. J'ai une question générale. Euh, en combien de temps vous considérez qu'au Québec aujourd'hui on sort de la pauvreté Par exemple, en France, il y a 30-40 ans, on considérait qu'on sortait de la pauvreté en deux générations. Aujourd'hui, on est rendu à sortir de la pauvreté en six générations. Quand on parle là dans les inégalités, combien de temps pour vous euh Je viens de changer la règle. Posez toutes vos questions, pour voir ce qu'on peut, ce qu on peut <laughs> comment on peut, comment on peut les traiter. Allez, Madame. Euh, oui, bonjour, mon nom est Roxanne Hood. Euh, ma question, dans le fond, s'adresse plus euh, pour euh, le PLQ puis la, la CAQ. Dans le fond, Jean-François Lizé avait déposé une motion là, à l'Assemblée pour que dans les services éducatifs à petite enfance, ça soit appuyé par des données probantes des études. Puis, euh, dans le fond, la CAQ et le PLQ ont voté contre cette motion-là. Donc, j'aimerais avoir un peu des explications euh, par rapport à ça. Merci. Une autre question? Moi, c'est Denise d'Anjou. Euh, on prend des cours d'activité de, physique qu'on paye de notre poche, évidemment. Et je me demande comment ça se fait qu'au niveau de la prévention, on n'est pas un petit, un petit peu remboursé ou que ça passe sur l'impôt à quelque part. C'est juste, merci. Parfait. Activité physique, on le gardera pour le prochain bloc. Madame? Florie Doucoche avec la Coalition québécoise sur le contrôle du tabac. Ma question serait à l'ensemble des candidats. On a parlé beaucoup d'investissement en santé publique, bien que le thème, ce soit des inégalités sociales, mais il y a des mesures qui rapportent, comme les taxes sur le tabac, qui sont reconnues euh, comme étant un instrument pour réduire les inégalités sociales de santé. On sait que les populations défavorisées, tout comme les jeunes, sont plus sensibles aux hausses de taxes. La dernière hausse de la taxe tabac remonte à 2014. Euh, elle a déjà perdu plus de 2 de sa valeur. Puis en plus, on ne peut même pas s'assurer actuellement que les taxes font leur job et réduisent la consommation parce que l'industrie du tabac manipule les prix en ayant des marques à rabais. Est-ce qu'un gouvernement formé par votre parti euh, 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 viserait. Euh, à, à remettre la politique de taxation puis une politique de prix sur le tabac en œuvre pour bien s'assurer de, un, réduire le tabagisme, notamment euh, au niveau des populations défavorisées. Merci. Merci. Je propose qu'on garde les deux dernières questions, activité physique et tabac, sur les prochains blocs qui vont parler d'habitudes de vie. On en avait une sur le combien de générations pourraient sortir le Québec de la pauvreté, et la deuxième, c'était euh, CPE, euh, gratuité CPE. Alors, des commentaires là-dessus. M. Attala, vous brûliez de réagir tout à l'heure, mais... Mm -hmm. si sur ces questions, s'il vous plaît. Bien, sur les questions sur le, le nombre de générations, je, ce, que, ce que nous, nous nous engageons, c'est clairement d'ici quatre ans de sortir 100 000 personnes de la pauvreté. Ça, c'est concret, c'est mesurable. Sur la question de notre amie Roxane, je crois, euh, je suis très je serais content que vous en parliez des données probantes. On y, on a tous des professionnels de la santé. On, a, on, on est, est habitué de travailler avec ces données-là, le public les moins. C'est très important en éducation d'avoir des données probantes parce qu'il y a toute une multitude de programmes que les politiciens souvent ont tendance à mettre de l'avant. C'est important qu'ils soient évalués régulièrement par des institutions crédibles et neutres. Et nous, on va mettre de l'avant un Institut national euh, d'excellence en éducation pour évaluer les programmes, nous faire des recommandations et euh, diriger nos investissements et nos politiques de soutien. Mme Roy sur la question des données probantes, euh, le Parti libéral avait une occasion majeure où il aurait pu appliquer les données probantes. C'est quand il a été question du projet de loi 10. La majorité des scientifiques et des chercheurs en administration de la santé sont venus dire à l'Assemblée nationale que ce projet de loi-là ne respectait pas ce qu'il faut faire en santé pour intervenir efficacement des petites organisations décentralisées, de proximité, près de la population où le travail d'équipe est favorisé. Et on l'a implanté quand même. C'est vraiment important qu'on se base plus sur les données probantes. Moi-même, je l'ai vécu comme physiothérapeute, cette incapacité-là à implanter des qui sont alignés sur les données probantes. Un autre exemple, c'est la crise, par exemple, des opioïdes ou de l'incapacité à adresser la douleur chronique chez les personnes. C'est en gros parce qu'on a de la misère à avoir accès à la psychothérapie, aux interventions psychosociales et que notre système est axé vraiment sur la médication uniquement et on continue d'aller dans cette direction-là. Sur la question des générations, combien ça prend de générations pour sortir de la pauvreté, si notre filet social était efficace comme moi je le vis dans les dernières années, comme on l'a vécu au Québec, ça devrait en principe prendre. Une génération, parce qu'on aurait en place nos CPE qui pourraient détecter ces enfants-là, un réseau d'éducation très accessible qui est gratuit pour permettre aux personnes d'aller chercher une formation, et ensuite des conditions de vie favorables et un environnement favorable pour pas développer des maladies pulmonaires, du diabète et tout ça. Donc, en théorie. Mais c'est vrai qu'on s'éloigne de ça. Mais une génération, c'est plus qu'un terme électoral. C'est quelques termes, <laughs> Exactement, exactement. Ouais. exactement. Madame Lamar, vous aviez euh, oublié ben, réagir. Il faut de la persistance, effectivement. Il faut de la constance ou il faut établir des règles claires, des politiques qui vont s'installer, qui vont persister d'un mandat à un autre. Mais certainement, euh, nous, ce qu'on préfère, c'est dire qu'il y a tellement de besoins pour les gens les plus défavorisés qu'il faut mettre, prendre des mesures pour que, par exemple, nos CPE, nous, on dit que c'est 8 dollars. Si on a des sous, c'est 8 dollars. C'est 4 dollars pour le deuxième enfant, c'est gratuit. Pour le troisième, toutes les familles qui ont moins de 35 000 dollars, c'est gratuit partout. Et je pense qu'il faut. On a tellement à réinvestir auprès des gens les plus vulnérables pour les aider à atteindre l'égalité des chances qu'il faut réserver cet argent. Alors malheureusement pour pour Québec solidaire. Tout, tout est intéressant, là. C'est comme le, le, plein d'éléments positifs, mais à 28 milliards de promesses, à un moment donné, pour faut se dire comment les Québécois vont avoir les moyens de payer pour tout ça. Et nous, on dit soyons raisonnables, soyons crédibles et ayons des mesures qui correspondent à la capacité de payer. Mais privilégions, mettons l'argent, contrairement à, à, à la CAQ et, à Québec, et, à, et à, aux libéraux, mettons l'argent sur les gens qui n'ont pas eu la chance à la naissance donnons-leur la chance de s'améliorer d'atteindre cet état d'équilibre qu'on souhaite tous et euh, donc évidemment pour les CPE nous on est vraiment convaincu on pense qu'on va créer 27 000 places de CPE c'est énorme et effectivement pour sortir de l'inégalité c'est d'investir dans la petite enfance très rapidement avec cette, euh, cette vraiment cette approche aujourd'hui il y a la, la, la politique de bienveillance j'aimerais bien pouvoir vous en parler peut-être dans un autre thème dans, dans une réponse une autre question. aux questions. Mme Arel, est-ce qu'on passe au prochain bloc ou vous aviez quelque chose non, à dire? quelque à, chose, oui? chose à dire aussi. Euh, donc, euh, si vous avez lu ou si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à lire là, un article dans l'actualité euh, du mois de septembre 2018, donc de, le, le dernier exemplaire qui était sur les tablettes le mois dernier. Euh, on parlait justement des indicateurs de performance dans les différents ministères et euh, on sait que, euh, par exemple, en santé, euh, on fait vraiment mauvaise figure en ce qui a trait à euh, établir des indicateurs de performance clairs et euh, à ce niveau-là, effectivement, c'est comme si le gouvernement, depuis plusieurs années, fonde ses décisions sur des bonnes idées qu'il pense avoir en se levant un matin comme ça, plutôt que de s'assurer de converger vers les milieux universitaires, les milieux de chercheurs, les instituts de recherche, les instituts d'excellence qui ont l'expertise en santé publique et dans tous les, les spectres de la santé et qui sont en mesure de nous éclairer sur les décisions qu'on devrait prendre. Et euh, ces points de convergence entre la recherche et le milieu des décideurs. On le voit de plus en plus en recherche et développement dans les milieux technologiques. Il faut davantage copier ce modèle-là qu'on a tendance à utiliser de plus en plus dans les milieux de technologie, mais l'utiliser en santé et s'assurer qu'on travaille en convergence et en coopération avec le milieu de l'enseignement et de la recherche pour justement s'assurer que nos investissements sont bien ciblés et s'assurer que nos indicateurs, on est en mesure de mesurer. Euh, notre, notre performance. Et l'état de santé de la population en ce moment, il faut aussi le mesurer à travers d'autres indicateurs que les indicateurs de prestations de soins, mais se, se fonder aussi sur nos indicateurs qu'on a, qui sont disponibles là, dans nos instituts euh, de recherche ici. Merci, Merci Mme Marel. On va parler d'indicateurs parce qu'on a eu des résultats très clairs dans le dernier mandat. 1,1 million de personnes ont maintenant un médecin de famille. On veut avoir un autre montant similaire dans le prochain mandat. On a 72 GMF de créer, 49 supercliniques, il va y en avoir 25 autres dans, dans le prochain mandat. Des indicateurs clairs, il y en a. Pour répondre à Mme Labarre tout à l'heure, dans les soins à domicile, depuis qu'on est arrivé au gouvernement, ils ont augmenté de 31 le nombre d'heures travaillées en soins à domicile. Fait ils, vont, ils parlent de coupeurs, ils parlent d'austérité. Tous les chiffres que je vous ai donnés sont vérifiés par le euh, vérificateur général. Vous irez vérifier vous-même, vous êtes des professionnels du domaine. 31 d'augmentation des heures travaillées. Merci, M. Attala. Alors, euh, comme animateur, j'ai une autre prérogative, c'est de fusionner les deux prochains thèmes. On voulait parler de euh, saines habitudes alimentaires, alimentation bien sûr, euh, alimentation euh, et l'autre. Euh, on voulait parler aussi d'activité physique. On a eu une question sur le tabac. Alors, on va fusionner le deuxième bloc sur les habitudes de vie, mais les environnements favorables à ces saines habitudes de vie. Alors, c'est un petit effort que je vous demande. Vous aviez deux minutes pour chacun de ces sujets-là, mais euh, peut-être essayer de choisir les morceaux les plus, les plus pertinents parce qu'on a pris un peu plus plus de temps sur les inégalités sociales de santé. Alors, toujours dans l'ordre euh, alphabétique, Madame Harrel, sur les saines habitudes de vie, alimentation, activité physique ou, ou, ou même tabac, allez-y avec votre deux minutes d'introduction. Ben je vais faire un lien avec ce que je disais précédemment. Quand la coalition, euh, quand la coalition propose, par exemple, une augmentation de taxes sur, sur le tabac, euh, c'est justement euh, ce genre euh, euh, d'organisation euh, qui est spécialisée dans des questions pointues qu'il faut euh, davantage écouter je pense comme gouvernement responsable parce que ce sont des professionnels qui étudient des questions très pointues avec des données probantes qui sont en mesure de nous comparer euh, aux meilleurs systèmes de santé les systèmes de santé les plus performants dans le monde ils sont en mesure aussi de nous positionner nous au Québec par rapport au reste des autres provinces mais par rapport à d'autres euh, états dans le monde et qui sont en en mesure de dire, ben voici, ça fait ses preuves telle et telle mesure. Et je pense que nous devons davantage nous appuyer sur la recherche et sur ces institutions-là, euh, ces, institutions ces organisations-là qui ont développé une expertise depuis longtemps et qui sont à la fine pointe aussi euh, des données les plus récentes. En matière euh, d'alimentation, eh bien... Euh, tout, tout est lié, euh, mais si on se consacre sur euh, une plus euh, une, une éducation de meilleure qualité euh, à ce moment-là, on s'assure aussi que les générations futures euh, sont bien outillées pour euh, prendre les bonnes décisions et sont bien outillées aussi pour euh, 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 se doter se doter d'éléments, se doter de, de, de euh, se doter de, euh, se doter de, de de se, se doter de, de, de décisions, de prendre des décisions finalement qui vont euh, davantage favoriser euh, leur santé. Euh, en matière de transport durable, on a dit qu'on parlait de transport aussi mélangé à tout ça. C'est un mode de vie physiquement actif vie physiquement implique actif. les transports, oui. Bon, eh C'est sûr qu'à la CAQ, on promouvoit euh, beaucoup le transport collectif. Là, donc, on a euh, plusieurs euh, enjeux. On a, on a le REM qui est présentement en développement, mais par rapport au REM, euh, notamment sur la rive sud, par exemple, en Montérégie, on veut s'assurer de relier le REM avec un tramway. Euh, le tramway a été euh, euh, mis de l'avant, a été demandé par les cinq maires de la grande agglomération de Longueuil, par exemple. C'est un exemple euh, qu'on euh, qu supporte à la CAQ, euh, le tramway sur le boulevard Tachereau, pour s'assurer de relier le métro de Longueuil jusque jusqu'au euh, REM, donc pour s'assurer que toute la Couronne-Sud, par exemple, et ça, c'est un exemple, là, il y en a plusieurs, mais il faut davantage mettre l'accent sur euh, le développement durable. Je vois la lumière, euh, le transport collectif, je vois la lumière rouge, ça me... On, on aura ouais. le temps d'y revenir. Ouais. Je vous ai joué un mauvais tour. Vous êtes la première à l'expérimenter parce qu'on parle bien sûr de saine alimentation, mode de vie physiquement actif dans lequel il y a de la place pour parler de notre environnement, nos milieux de vie, transport actif, transport collectif. Ce euh, sont, sont évidemment des déterminants importants pour favoriser d'intégrer la dépense énergétique avec nos, nos vies, nos modes de vie, là où on grandit, là où on se transporte, etc. Monsieur Attala, donc si vous êtes capable de nous fusionner ces deux éléments de mode de vie. Absolument, merci. Donc, je vous ai parlé plus tôt qu'on avait une politique globale en termes de prévention en santé. C'est une première en Amérique du Nord. Ça mobilise l'ensemble du gouvernement. Mais en Raphaël, quelques-unes des mesures que ça va contenir. Euh, donc, nous, on va avoir 60 minutes d'activité physique chaque jour dans les écoles pour tous les enfants. Euh, au primaire. Donc nous c'est très 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 important de faire bouger les enfants. Il y en a qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants euh, faire des clubs sportifs, aller faire du ski les fins de semaine, aller faire d'autres activités. Il faut assurer un minimum de base, il faut que nos enfants bougent, ça a des impacts aussi sur leur apprentissage à l'école, ça inculque des bonnes habitudes de vie. Donc dans le prochain mandat, tous nos enfants auront 60 minutes d'activité physique à chaque jour. Euh, on veut aussi amener la vaccination dans les pharmacies. Pourquoi aller faire la file d'attente quand il y a le gros blitz de la vaccination au CLSC? Attendre, allez-y. Quand ça vous tente, allez-y. Prenez un rendez-vous directement avec votre pharmacien. Vous êtes habitué d'y aller. Souvent, il y en a une au coin de la rue ou euh, pas très loin dans votre quartier. Beaucoup plus accessible, moins de, moins de friction dans les services, moins de pression sur nos institutions publiques. On veut donner le soin là où il est nécessaire, près de chez vous, à un coût abordable. Euh, aussi, on va avoir des apprentissages culinaires dirigés euh, dans les écoles. Pourquoi? Parce qu'il faut que nos enfants euh, soient familiarisés à manipuler des éléments, à apprendre le vocabulaire, à apprendre à manipuler les instruments pour que, quand ils trouvent un livre de cuisine et ils se disent Ah, ben je vais expérimenter avec ça. Ben, qui soient un petit peu familiers avec ça, qui puissent avoir les outils de base pour expérimenter à la maison puis utiliser leur créativité. Donc, on a un paquet de mesures, ça mobilise l'ensemble du gouvernement, mais ça, c'est trois mesures très concrètes qui vont faire la différence. Je reviens sur les autres aspects dont on a discuté tantôt, euh, que ce soit la prévention. Oui, on sait que le signal de prix sur le tabac, l'alcool, etc., a un impact. On est très ouvert à, à, à étudier des augmentations. Par contre, il faut toujours regarder. Il euh, y a d'autres mesures qu'il faut regarder, comme le, le, la contrebande. Il faut travailler euh, là-dessus aussi. Euh, donc, euh, oui, sur l'investissement, sur on est très ouvert aussi. Merci beaucoup. Madame Lamarre. Alors, en février 2017, le Parti québécois a mis en ligne euh, une politique qui s'appelle Nations, Nations en forme. Et donc, on prévoit et on a des mesures très concrètes pour qu'il y ait une heure d'activité motrice ou physique du CPE jusqu'au CHSLD. Et ça, je pense que c'est un engagement, c'est une vision du Québec, c'est une vision de la nation. Et donc, CPE, on parle plus d'activité motrice, mais dès qu'on arrive à l'école primaire, c'est une heure d'activité physique qui peut être concentré autour des, des récréations aussi donc c'est pas nécessairement une heure supplémentaire dans l'enseignement le, mais il y a une façon d'intégrer l'activité physique je vous dirais qu'il y a également du côté des CHSLD pour y avoir travaillé beaucoup euh, il y a énormément d'activités qu'on peut faire faire aux aînés euh, toutes simples mais qui vont diminuer la consommation des médicaments qui vont faire qui vont bouger un peu qui vont chanter qui vont taper des mains taper des pieds il y a des façons de garder ces gens là plus actifs physiquement et on y croit beaucoup. Dans des mesures très concrètes pour les adultes, adoption d'une norme ISO santé entreprise. Alors ça, je pense que c'est du très concret. Euh, il y a toutes les communautés autochtones dont on doit vraiment qu'on doit vraiment accompagner par rapport au développement d'activités sportives, mais qui respectent leurs traditions et n'ont pas imposé la piscine olympique. Je l'ai vu, ma fille a travaillé deux ans avec les cris mis un gymnase avec une piscine olympique, ça ne répond pas. Mais le terrain de baseball, on avait besoin de trois parce que ça, ça correspondait à quelque chose qui était... Alors, je pense qu'on doit euh, des pistes cyclables. Quand on investit dans les pistes cyclables, c'est un élément puissant et fort et nous, on le fait. Transport collectif actif, le tramway express électrique déployé. Pour toute l'île de Montréal, incluant l'est de Montréal, l'est de la rive sud, l'ouest de la rive sud, le nord, c'est la moitié de la population du Québec. Alors, le tram-express électrique, il permet aux gens, à 10 minutes de marche de leur domicile, d'utiliser les transports en commun, et ça, c'est important. Pour l'alimentation, oui, effectivement. Nous, on pense que justement, le CPE est une très bonne, un très bon lieu pour introduire de saines habitudes alimentaires, que la boîte à lunch qu'on offre aux parents est un autre, à prix modique, 1, 3 ou 5 dollars, est une autre façon de vraiment faire basculer des habitudes alimentaires. Et chez les aînés, écoutez, moi, je, je mange dans des cafétérias avec les aînés. Je mangeais du quinoa dans une résidence pour personnes âgées. Donc, c'est possible d'influencer les habitudes alimentaires. Il y a une ouverture. Je pense qu'il faut travailler avec le patient partenaire et la, le citoyen partenaire. Merci, Mme Lamar. Mme Roy, activité physique, mode de vie mm -hmm. ou alimentation ou un peu de tabac. Il faut vraiment qu'on ressente notre système de santé à suivre des indicateurs qui sont pertinents dans ce sens-là. Quand on dit qu'il y a tant de millions, euh, tant de personnes de plus qui ont un médecin de famille, ce n'est pas le genre d'indicateur qui nous indique qu'on chemine sur les habitudes de vie et les environnements favorables. En fait, avoir accès à un médecin de famille, ça n'a pas d'impact en fait sur la santé en termes de déterminants sociaux de la santé et de prévention. Par contre, ce qui compte vraiment comme indicateur qu'on pourrait suivre, c'est combien de parcs et d'espaces verts par quartier, par village, par population d'enfants qui vivent là. Ça, c'est des indicateurs qu'on pourrait plus suivre. Donc, euh, en fait, pour revenir à l'environnement à Québec solidaire, ce qu'on propose, c'est vraiment plus d'espaces verts, plus de pistes cyclables. La sécurité des piétons, il faut que ça soit vraiment important dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages. Il faut que les jeunes aient envie de se déplacer dans des rues sécuritaires. Et une des mesures qui peut être très simple à implanter, c'est que les écoles rendent accessibles leur terrain de jeu, leur cours d'école en tout temps. Moi, dans mon, à Verdun, c'est une mesure qui se discute, mais qui n'est pas encore en place parce qu'il y a des questions de, de sécurité, il y a personne qui surveille, mais ça serait simple de rendre accessibles ces terrains de jeu-là à tous en tout temps, accompagné de mesures de sécurité. Sur le terme de l'environnement, à Québec Solidaire, on a fait nos devoirs. Ça fait un an et demi qu'on travaille sur un plan de transition écologique et économique. Et ça, là, ça suppose d'avoir vraiment une vision long terme jusqu'à 2040. Quand on parle qu'à Québec Solidaire, on a des investissements majeurs, oui. On est radical sur le volet de la transition écologique parce que ce n'est pas vrai qu'on peut prévoir la transition environnementale dans un mandat de quatre ans avec un équilibre budgétaire et pas d'investissement majeur. On n'y arrivera jamais si on pense toujours à courte vue comme ça. Donc, notre plan, oui, il suppose des investissements majeurs, mais c'est des investissements et on parle jusqu'en 2040. Donc, c'est par exemple de créer, oui, 35, environ 35 nouvelles stations de métro pour favoriser le transport actif diminuer de moitié le tarif du transport en commun dans toutes les villes du Québec pour qu'on n'ait plus de barrières financières à utiliser le transport en commun. L'objectif, c'est qu'à Montréal, en 2040, il y ait moins de 50 de la population qui se déplace euh, en voiture. C'est ça notre objectif. Et ça, ça a un impact sur la santé. Donc, euh, ce qui est la, la question des taxes, je l'ai étudiée dans, dans un de mes cours en santé publique. Effectivement, c'est une belle avenue. Il faut extrêmement faire attention aux effets pervers que ça peut avoir. Par exemple, les personnes les plus vulnérables qui ont de la misère à se priver d'acheter des aliments sucrés ou des boissons sucrées vont juste se rendre plus vulnérables parce qu'ils vont continuer leurs habitudes et ont de la difficulté à les arrêter. Il faut s'assurer que ça ne cible pas les personnes plus vulnérables. Euh, aussi, un élément majeur qu'il ne faut vraiment pas oublier pour les environnements sains, les saines habitudes de vie, c'est nos organismes communautaires. On prévoit un réinvestissement majeurs dans les organismes communautaires 260 millions pour un premier mandat dans le, parce que eux sont vraiment en, ils font des services de proximité ils connaissent les besoins des enfants des aînés des adultes vulnérables ils sont vraiment spécialisés ils ont une énorme expertise qu'il faut reconnaître alors dans ce bloc fusionné par surprise un peu sur les habitudes de vie euh, on a maintenant du temps pour répondre à des questions et on en a qui nous viennent de nos, euh, nos gens sur Facebook Madame Yart en fait, on a eu deux questions qui n'étaient pas vraiment dans le thème, donc je vais y aller avec une, une question qui est un petit peu plus dans le thème et qui déborde un peu, parce que la question directement sur le thème, vous venez de, de tous y répondre, qui était qu'est-ce que votre gouvernement propose pour améliorer l'accès physique et financier. Je pense que vous l'avez un peu dit. Et la prochaine question, c'est quel pourcentage du budget de la santé votre parti va-t-il dédier à la santé publique s'il prend le pouvoir? Oui, ça, c'est plus le troisième thème où on parlait du 2-5 Puis après, j'avais deux questions qui étaient vraiment hors thème. Ah, hors des thèmes, c'est de l'animateur. Alors, on va prendre des questions de la salle, puis on va garder celles sur l'investissement, sur le dernier, bout de, le dernier bout de notre échange. Madame, vous vous présentez et vous dirigez votre question. Donc, bonjour, mon nom est Corinne Voyer, je suis la directrice de la Coalition québécoise sur la problématique du poids. On est dans mon thème. Je vais vous amener sur une question très spécifique à l'égard des boissons sucrées. C'est un problème de surconsommation actuel au Québec. C'est un produit qui se distingue des autres. Ce sont des bonbons liquides dans tous les formats. Euh, on, a une, on a des exemples avec la machine distributrice ici, mais ça va au-delà de juste de la boisson gazeuse. Le marketing agroalimentaire de ces produits-là est très agressif. Ce sont toujours en rabais. Il y en a partout. Il y en a même dans les pharmacies. C'est plus facile de trouver une boisson sucrée présentement que de trouver une fontaine d'eau. Sachant que l'éducation ou les campagnes de sensibilisation ont des limites pour changer les comportements et induisent même parfois des inégalités sociales encore plus grandes, j'aimerais savoir quelles sont, quelles sont les mesures que vous proposez dans chacun des partis concernant la réduction de la consommation de boissons sucrées. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Vous pouvez vous présenter. Madame Harel? c'est une problématique euh, effectivement très réelle et, et je pense que les gouvernements, les institutions publiques, les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux et euh, les institutions publiques, nos écoles, nos commissions scolaires, nos arénas même euh, qui sont des lieux euh, de convergence de, de la communauté, euh, on devrait encourager euh, tous ces milieux là à bannir euh, les distributrices de boissons sucrées notamment mais tout, tout tout, euh, tout aliment là, néfaste à la santé et encourager finalement d'avoir des distributrices de bâtonnets de fromage et, et aliments beaucoup plus sains. Euh, et il y a un gros effort à faire autant du gouvernement du Québec, mais je pense euh, euh, directement par le gouvernement du Québec, mais aussi soutenir les municipalités qui souhaitent faire ce virage-là, mais qui n'ont pas toujours euh, la possibilité de le faire ou la capacité de le faire. Donc, je pense qu'un gouvernement euh, responsable va aussi soutenir les municipalités dans leur rôle qu'ils ont à jouer. Il y en a beaucoup de municipalités qui ont pris ce virage-là, mais qui ont besoin d'un coup de pouce. Et c'est en étant à, à l'écoute de tous ces, ces, toutes ces parties prenantes-là. Mais quand je parle de parties prenantes, je parle euh, des municipalités, des euh, gestionnaires d'arènes, euh, là où sont nos enfants le samedi et le dimanche, là où sont nos enfants dans les écoles aussi, et s'assurer que tout le monde prenne ce virage-là et que le gouvernement vienne soutenir ces organisations-là pour euh, faire ce virage. Euh... Très bien. Je veux vous souffler un petit élément. J'aimerais ça aussi, que vous nous parliez au lieu des lieux publics, c'est bien. Mais si vous avez des idées aussi par rapport au monde de la transformation alimentaire, on sait que ce qui sort de nos fermes, c'est très bon pour la santé. Et quand ça arrive sur nos rayons, c'est bon aussi. Mais on dit souvent que dans le milieu de nos épiceries, là, c'est tout ce qui est transformé avec plus de sucre, plus de si, plus de sel, etc. Donc, si vous avez jamais dans vos parties des idées sur la transformation alimentaire, vous pourrez y ajouter... Euh, Allez-y, allez-y, je, je vous ai encore piégé. Mais c'est bon. Je voudrais ajouter aussi qu'à la CAQ, on veut euh, augmenter la proportion d'aliments locaux achetés dans nos institutions publiques. Ça, ça, ça fait partie de notre plateforme. Euh, en ce moment, on veut s'assurer que nos écoles, nos hôpitaux euh, euh, et l'ensemble en, de nos institutions qui s'approvisionnent, s'approvisionnent davantage. Là, on veut euh, clairement augmenter l'approvisionnement local, ce qui va aussi euh, permettre euh, de... de, de d'améliorer notre offre alimentaire et d'améliorer par conséquent aussi tous les problèmes environnementaux reliés au transport d'aliments. Donc il y a ça. Et on veut aussi bonifier le budget qui est alloué. Euh, en CHSLD, au repas pour nos aînés, euh, pour justement bonifier l'offre alimentaire euh, envers nos aînés dans les CHSLD. En ce moment, euh, le budget est à 1,40 je pense, là, par repas. On veut euh, plus que le doubler, là, ce budget-là, pour s'assurer que nos aînés mangent des aliments plus variés et plus sains, parce que oui, il y a des CHSLD qui offrent du quinoa, mais euh, il y a d'autres CHSLD qui ont encore euh, des patates en poudre. Merci, Mme Maral M. Attala, sur boissons sucrées, transformation, saine alimentation. Bien, merci. Donc, euh, je, Mme Voyer, je suis très content que vous nous posiez cette question-là. C'est une question qui est extrêmement importante. Oui, on en vend dans les pharmacies, malheureusement. Euh, je pense qu'il va falloir réfléchir à cette question-là sérieusement dans, dans les prochaines années. Je sais que l'Ordre des pharmaciens est en train de regarder ça attentivement. Donc, euh, je les interpelle à, pour agir sur ce niveau-là. Pour ce qui est de la taxation elle-même, euh, vous aurez vu dans notre politique de prévention en santé, euh, une politique, comme je vous disais tantôt, qui interpelle tous les ministères. On a un comité qui est dédié spécifiquement à cette question-là. On devrait avoir une réponse bientôt, puis le gouvernement va se positionner par rapport à cette question-là. Mais c'est une question qu'on regarde attentivement. Je sais que ça se fait ailleurs dans le monde. Euh, à Mexico, si je ne me, si me trompe pas, ça se fait. Il euh, va falloir regarder les, 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 les impacts, puis voir exactement euh, où sont les bénéfices, quelles sont les, les, les contraintes à ça. Mais je pense qu'il y, y a de l'intérêt de notre part de, de regarder cette question-là attentivement. Euh, malheureusement, l'obésité, c'est un fléau qui touche beaucoup trop de gens, incluant des gens dès la petite enfance maintenant. C'est pour ça que c'est important de faire bouger nos, nos jeunes. Donc, comme je vous l'ai dit, on va mettre une heure euh, à chaque jour dans les classes pour nos jeunes pour qu'ils bougent. On veut aussi que les gens puissent utiliser les transports actifs qu'ils aient plus d'options pour prendre des transports actifs. C'est pour ça que nous aussi, on entrevoit une transition importante. Euh, au niveau des, des changements environnementaux avec le transport en commun. On veut que nos jeunes et nos aînés, nos, popul nos populations qui sont plus vulnérables ou qui ont plus de contraintes financières, puissent avoir accès au transport en commun gratuitement. Et aussi, on veut, ben, je l'ai parlé tantôt, on veut sortir de la pauvreté des 100 000 personnes, voire même plus. On veut étendre peut-être même le revenu minimum garanti à plus de gens pour sortir plus de gens de la pauvreté. Sur la transformation, euh, C'est une très bonne question. Je pense qu'au final, ça va, il va falloir favoriser les circuits courts, donc s'assurer que la distance entre la ferme et l'assiette soit la plus courte possible, parce que plus il y a de transition à différents intermédiaires, bien, plus il y a des additifs, plus il y a de la pollution. Est-ce qu'en mettant un prix sur le carbone, ça pourrait réduire ces intermédiaires-là? Euh, ça aura certainement un impact. Donc, nous, notre, notre vision est là-dessus. On travaille avec la Californie, on travaille avec l'Ontario jusqu'à dernièrement euh, pour la fixation du prix sur le carbone, mais c'est notre direction de, de conseiller environnement, obésité, transformation sociale. Madame Lamarre. Ben, dans la politique gouvernementale de santé publique, on dit étudier la pertinence et la faisabilité de euh, taxer les boissons euh, sucrées. Et moi, je pense qu'il y a un appel à l'action. Alors, quand on dit étudier, ça veut dire qu'il faut étudier sérieusement. Et donc, moi, je pense qu'il faut le faire, cet effort-là. Il faut mettre en place des éléments qui vont faire en sorte que... Ils vont avoir des actions concrètes qui vont éviter les dérives, qui vont s'assurer que les gens qui sont les plus vulnérables à ça vont être quand même, vont avoir des alternatives, vont avoir des options, vont avoir les moyens d'acheter les options appropriées. Alors, il faut faire ça. Pour la taxe sur le tabac, comme tantôt, je n'étais pas intervenue, oui, je pense qu'il faut clairement continuer à augmenter la taxe sur le tabac. Au Québec, on est en retard par rapport à beaucoup d'autres endroits dans le monde. Le tabagisme a des impacts négatifs, clairs, nets. Précis, sans équivoque, et, et euh, on n'a pas besoin d'avoir une alternative au tabac. On peut trouver euh, d'autres choses à faire. Donc, ce n'est pas un produit qui est nécessaire à, à la vie. Les boissons sucrées sont quelque chose qui, malheureusement, font partie de l'alimentation de beaucoup de gens. Il faut les aider à trouver autre chose, des produits plus nourrissants, plus attrayants, et donc, la pertinence et la pesabilité, un gouvernement du Parti québécois travaillerait activement à mettre en place cette politique et cette recommandation de la politique gouvernementale de santé publique. Euh, pour le reste, c'est certain qu'il euh, y a plein d'éléments où, où je vois, vous savez, quand on parlait tantôt de... De, et et c'est ça qui m'inquiète un peu quand j'entends la CAQ et le Parti libéral. Il y a comme un, un déni. Euh, moi, dans Longueuil, j'ai trois organismes d'alphabétisation. On parle de là, on parle de l'alphabétisation. Et dans les activités pour intégrer l'alphabétisation, on fait des cours de cuisine, on aide les gens à, à cuisiner ensemble. C'est une bonne façon d'apprendre euh, à parler, d'apprendre les langues, d'apprendre à lire. Et donc, y a, y a, y a, y a, on part de très loin. Et il y a une dimension qui est complètement euh, aberrante par rapport à ça. Du côté euh, euh, des pharmacies, je veux juste vous dire que moi, je n'ai jamais vendu ces produits-là dans dans, parce que j'ai des laboratoires, donc euh, je ne suis pas dans cette dimension-là. Euh, vous avez déjà évoqué, Mme Roy, vous, euh, tout à l'heure, les possibles effets pervers de taxation, je pense, que en réponse mm -hmm. à la question du tabac. Évidemment, vous avez même dit que vous avez étudié ce sujet-là dans le oui, cours. Ça, oui. Il y a une des avenues dans d'autres pays, euh, on a parlé du, du Mexique, mais d une avenue, c'est que les gens acceptent mieux et il y a moins d'effets pervers quand on investit le revenu de la taxe dans la subventions ou dans l'aide pour légumes, fruits, donc des, les aliments sains. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a des choses comme ça euh, réfléchies dans ce sens-là, Québec Solidaire, pour Tout aller plus fait. loin que juste... Effectivement, on, on pense qu'il faut un peu changer l'ordre chronologique si on veut d'implantation de mesures. La taxe, oui, il faut l'étudier. Effectivement, il faut aller dans ce sens-là euh, pour décourager, mais il faut aussi... Encourager. Puis quand on met une taxe, euh, que ce soit sur le tabac ou sur les boissons sucrées, ça présuppose un peu que c'est entièrement une, un peu une responsabilité individuelle de consommer ou pas des boissons sucrées, alors qu'on sait maintenant que c'est plus ou moins une approche euh, globale quand on pense comme ça. C'est pertinent, mais il faut beaucoup plus mettre d'accent que qu ce qu'on le fait actuellement sur l'environnement. Donc, c'est sûr que tout le monde le sait à l'école qu'il ne faut pas prendre des boissons sucrées. Si quelqu'un ne le sait pas, il euh, y a. On le sait, mais c'est dur à faire comme comportement, c'est dur à changer parce que nos environnements ne nous entraînent pas vers des bonnes habitudes. Donc, la première chose à faire, ça serait de rendre plus accessible des produits locaux, bio, et ça, on a vraiment une grande stratégie d'agriculture à ce niveau-là, de favoriser les petits producteurs locaux, que leurs produits se rendent plus facilement dans nos épiceries. Donc, c'est pas juste de dire qu'on veut qu'il y ait du local à l'épicerie, mais encore, faut-il qu'on les encourage, les producteurs, à venir à, 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 ben, premièrement à protéger le territoire agricole, deuxièmement, investir dans ces agricultures-là qui sont plus petites, qui ont besoin de plus de support, et ensuite fa favoriser la chaîne de transport pour que ça se rende à l'épicerie et favoriser des prix bas. Une fois que ça, c'est plus en place, je pense que c'est plus logique ensuite de dire ben « Maintenant qu'on a accès à des alternatives à bas prix qui sont euh, saines pour la personne, maintenant on peut plus taxer. » Je pense qu'on le voit plus comme ça et ensuite, ben, sur le même sujet, dans le fond, c'est mon deux minutes générale sur le sujet de. Ah oh, non, on répond à la question. Je suis désolée. <laughs> vraiment, vraiment. Désolé. Euh, on, a, on a une dernière question, ce que je comprends de nos collègues sur Facebook. Alors, Chantal? Madame Manon Niquette, qui nous demande au Québec, la publicité qui s'adresse aux enfants est encadrée par la loi sur la protection du consommateur. Or, il semble que rien n'est fait pour mettre un frein à la publicité aux enfants d'aliments malsains, incluant la publicité de boissons alcoolisées sucrées. Que souhaitez-vous faire? Est-ce qu'on a quelqu'un qui, qui peut nous parler de cette interdiction qui existe depuis 1980? Euh, deux secondes pour aider, pour nous, nous aider, aider nos candidats. Ben. Euh, la loi québécoise, euh, elle interdit pour. toute forme de publicité au Québec. Il y a des exceptions, dont euh, les petits cartoons qu'on peut retrouver sur nos boîtes de céréales, par exemple. Donc, tout ce qui est emballage, étiquetage, présentoir et vitrine sont des exceptions de la loi québécoise actuellement. Et il y a un projet au fédéral pour évaluer justement. Bien, en fait, il est en cours, ça s'en vient. La loi pourrait faire en sorte que ce soit interdit maintenant à travers le Canada d'avoir ce maintenant, type de Mais ça existe déjà au Québec depuis des Exactement. années. Et c'est les 13 ans et moins. L'Office de protection avait pas beaucoup de dents pour le faire. Il a commencé à avoir des, des poursuites de gens qui le font. Est-ce qu'il y a des choses dans vos cartons, dans vos programmes, au niveau des. pour mieux protéger les consommateurs, si on pense par exemple aux boissons sucrées ou autres produits euh, malsains? Bien, bien, sur la question directe, malheureusement, il y a eu des décès, il y a eu des accidents de santé dans la dernière année, dans les dernières années liés à ces produits-là. Vous avez vu qu'on n'a pas attendu, on a bougé. Euh, il y a un grand nombre de produits qui vont se retrouver maintenant seulement à la SAQ. Euh, pour un, tout un paquet de produits, l'accès ne sera plus euh, possible. Ceux qui ont trop d'alcool ou qui, qui, qui dépassent un certain seuil de sucre vont être interdits. Donc, on a déjà bougé là-dessus. Je pense qu'on est ouvert à regarder toutes les mesures euh, qui peuvent aider à… À faire en sorte qu'on n'ait qu plus des enfants qui, qui vivent des drames ou... comme ça. C'est inacceptable. Il faut, je pense qu'il faut agir. Et euh, on a déjà pris des premières mesures. On va continuer à le faire. Regardons ce que le fédéral va faire. Il y a beaucoup de l'aspect de, la, de la publicité qui relève des télécommunications, donc qui sont de nature fédérale. Mais ce sur quoi nous, a, nous avons juridiction, euh, on est très ouvert à regarder des mesures dans ce genre. -là. Euh, écoutez, il ne reste pas beaucoup de temps. Si vous voulez réagir, vous pourrez le faire aussi. On va entrer dans le dernier bloc parce qu'il faut finir à et 30 Il nous reste 10 minutes. Alors, vous aviez deux minutes pour nous parler de comment on veut réinvestir parce qu'on est seulement à, On est autour de 2 du budget du secteur santé en prévention. Beaucoup d'éléments que vous venez de discuter sont ailleurs dans les investissements gouvernementaux. C'est ça l'idée des déterminants de la santé. Mais la politique gouvernementale, par exemple, prévoit 20 millions, mais dans 15 ministères, pas nécessairement en santé publique. Or, il y a eu des coupures. Euh, si on regarde des recommandations de l'OMS dans le budget du programme santé et services sociaux, souvent on essaie d'avoir 5 Selon des chiffres canadiens, le Québec n'y est pas du tout. Il y a eu des, des, des réductions en 2015. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a pour rétablir dans vos programmes, possiblement, ce type de 5 de l'OMS? Alors, on va réduire un peu, si on va avoir quelques échanges. On a déjà eu des questions sur Facebook, je pense qu'elle est dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation du, du financement des gens qui sont des acteurs de santé publique? Madame Arel dans le réseau de la santé. Euh, finalement, les, euh, les agences de santé et de services sociaux qui avaient la santé publique sous leur égide, finalement, tout ça s'est dilué. La santé publique s'est vraiment diluée dans une mare euh, de, euh, de préoccupations, euh, de prestations de soins, un modèle très, très médical. Euh, tout d'abord, il faut, euh, faut s'assurer d'avoir un portrait clair de notre situation actuellement. Elle en est où la santé publique dans nos institutions telles qu'elles le sont euh, trois ans après la réforme Barrette? Euh, elle en est où la, la, la santé publique et comment on peut lui redonner euh, du pouvoir? Comment on peut s'assurer de lui redonner sa place dans euh, cette nouvelle structure-là, dans ces nouvelles structures-là? Euh, donc, il y a cet examen-là à faire et bien sûr, toujours à la lumière de nos institutions instituts d'excellence euh, qui sont en mesure euh, de nous euh, éclairer sur euh, quelle avenue on peut prendre suite à ce, ce, ce diagnostic-là de l'état de, de la santé publique et de euh, notre budget en santé publique. Euh, donc, c'est en s'alliant aussi avec euh, les milieux de la recherche. On a le commissaire à la santé et au bien-être que la CAC a toujours voulu conserver. Hein. C'est un poste qui a été euh, en, en, en danger euh, sous le gouvernement libéral et que nous, on souhaite conservé. Euh, le commissaire à la santé et au bien-être s'assure aussi de faire des études très spécifiques sur des questions très spécifiques, soit à des, euh, des clientèles spécifiques ou des services. On va bien sûr le mettre à contribution, le commissaire à la santé et au bien-être, pour s'assurer que sous son éclairage, on est en mesure de mieux investir en santé publique et euh, euh, de s'assurer que ces budgets-là sont vraiment dédiés euh, à des indicateurs et à des objectifs euh, qui sont euh, finalement euh, reconnus par les vraies instances euh, expertes et non pas euh, un ministre qui se lève un bon matin et qui dit « Moi, je l'ai, la bonne idée. » Merci. M. Attala. Euh, je, je, écoutez, je, je, je n'ai pas d'autre choix que de me mettre en désaccord avec ce que ma collègue a dit. Certainement, quand on fait du changement, il y a des corollaires, que oui, il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais la réalité, c'est que les résultats sont là. 49 supercliniques faites. Ça, ça veut dire que vous allez chez le médecin, vous pèsez sur votre application, ça prend 30 secondes, j'ai essayé moi-même. Vous avez votre rendez-vous, une heure, une date, vous passez directement au lieu d'attendre à l'urgence. Ça, qu'est-ce que ça a comme impact Ce n'est pas nécessairement une augmentation du budget de la santé publique, mais ça fait qu'au lieu d'attendre et de reporter une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, moi je le vois là, comme pharmacien, je dis à mes clients allez à l'urgence, allez, allez à la clinique, c'est urgent votre affaire. Puis ils ne vont pas parce qu'ils sont ils ne veulent pas attendre, puis c'est malheureux. Donc, ce qu'on a fait, on a dit, on va réduire les goulots d'étranglement, on va vous donner une solution adaptée, près de chez vous, une solution qui est à trois clics d'avoir un rendez-vous, de voir un médecin dans la journée même, à l'intérieur de trois heures. Ce sont Donc, des investissements dans le système de soins qui ont donné ces capacités. Absolument. Mais, mais ce mais, qui mais, arrive. Mais en, quand... en amont santé publique, travailler sur les déterminants, les facteurs de risque en amont. Là, il y a eu des réductions de budget. Est-ce que là-dedans, dans les cartons du Parti libéral, il y a des, des Bien, zones d'investissement on, on est tout à fait ouvert à regarder les investissements en santé publique. On va regarder attentivement les. Vous savez le, le rôle important que l'INEZ, vous avez été vice-président. On regarde attentivement chacune des recommandations que l'INEZ nous fait pour les investissements en santé publique. Puis on va continuer à investir en santé publique. C'est notre orientation. Mais. Ça serait réducteur d'avoir une approche qui est strictement comptable. Il faut avoir une approche qui est transversale entre les différents ministères. C'est ce qu'on a fait. On a déposé la politique cette année. On va la mettre en application dans le prochain mandat. Mais je, re je retiens ça. Là, si vous avez à retenir quelque chose d'ici le 1er octobre, il va y avoir des investissements concrets. Des, plus de supercliniques, plus d'activités physiques pour nos jeunes, la, la gratuité des transports pour les jeunes, pour les aînés. Euh, C'est tout un paquet de mesures qui vont, qui vont travailler sur les facteurs un peu passifs qui font en sorte que nos... nos, nos qui ont un impact sur la santé publique. Merci. Madame Lamarre. Je retiens que c'est 7 milliards de dollars qu'on est prêt à donner à 20 000 médecins dans les 8 prochaines années, en augmentation, en augmentation, alors qu'en santé publique, on demande beaucoup moins que ça, et on pourrait faire énormément, et on aurait un impact clair, net, précis. Alors, moi, je vous invite à aller voir Parti québécois, plan santé, calendrier, le point 16, on rétablit dès mars 2019, le budget de la santé publique. On rétablit également les budgets pour les centres jeunesse qui ont été, sans aucune justification, Coupée alors qu'on avait un modèle gagnant à travers le monde. Maintenant, je voulais vous parler de la politique de bienveillance qu'on a mis Alors, Effectivement, on a parlé de l'importance des logements sociaux. On donne énormément d'argent, mais pour un enfant à l'école, son école devient son lieu d'habitation au moins huit heures par jour et on réinvestit dans les écoles Vétus. On les répare toutes celles qui sont cotées dès en quatre ans et on ajoute donc l'équivalent de 2,3 milliards de dollars. C'est du concret pour avoir des écoles salubres, d'avoir des écoles. Euh, sécuritaire. Au PQI, on a mis 500 millions de dollars de plus en logements sociaux. Euh, les pistes cyclables, c'est 100 millions. C'est du concret. C'est budgété. Tout le monde a dit que le Parti québécois avait le cadre financier le plus crédible. Alors, quand on a dit quelque chose, on le justifie et on est capable de remplir notre promesse. Un milliard en soutien à domicile, c'est essentiel, ce soutien à domicile. Et il y a des économies puisqu'on est dans un secteur économique, c'est sûr que c'est à des fins humaines parce que les gens veulent rester le plus longtemps possible à domicile, mais économiquement, plus on va garder les gens confortables longtemps à la maison, plus on va économiser en CHSLD, en retour à l'hôpital, en, en hospitalisation prolongée. Donc, c'est vraiment un investissement et c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, moi, je pense qu'on a vraiment euh, une volonté d'investir en santé publique et de faire en sorte que ce, vos, vos propositions puissent vraiment atterrir, qu'on participe à cet effort de l'avenir pour nos enfants et pour nous qui allons devenir des adultes et des personnes âgées qu'on veut beaucoup plus en santé. Et je redis l'importance de faire participer chacun des citoyens, quel que soit son âge, à la compréhension de l'importance de la santé publique et non pas d'arriver avec des mesures à la pièce. Mais définitivement, 1,1 million de patients qui ont un médecin de famille, mais qui réussissent pas à le voir, 47 supercliniques qui donnent au total 50... 54 000 places de moins en 100 rendez-vous au Québec. Non, ce n'est pas sérieux. Mme Roy, sur le budget à la santé publique. Notre cadre financier à Québec Solidaire euh, prévoit autant où on va aller chercher l'argent pour financer et où on va investir pour avoir une vision vraiment long terme globale et axée sur la prévention, la promotion. L'exemple de revenus qu'on va aller chercher pour pouvoir investir davantage, c'est par exemple en renégociant euh, les ententes avec les médecins spécialistes. Est-ce que ça va être évident? Pas du tout. Mais on a un exemple concret comme quoi c'est possible parce que le gouvernement libéral le fait, entre autres avec les cadres euh, dans le réseau de la santé. C'est vraiment triste ce qui est arrivé, mais ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a brisé l'entente. Il a dit, ce ne sera pas deux ans de salaire qu'on va vous, vous verser suite à vos départs, c'est un an de salaire. Ils ont, ils ont réussi. Ils ont réussi à revenir sur une parole quand c'était une question. Bon, très mitigé, mais d'intérêt public. Et là, je crois que l'intérêt public est assez majeur pour dire les augmentations de salaire qu'on a données à nos médecins spécialistes. Là, maintenant, de a l'Ontario on va le ramener au niveau de l'Ontario. Ce n'est pas la meilleure mesure de se comparer avec l'Ontario, mais pour ce, cette fois-ci, c'est comme ça qu'on va y aller. Ensuite, où on va aller chercher des revenus aussi, c'est en implantant Pharma Québec, une initiative d'achat regroupé de médicaments. C'est super important. Donc, ça, c'est des exemples de où on va chercher des revenus pour payer moins cher nos médicaments. Ensuite, où on réinvestit cet argent-là, premièrement, de l'argent, euh, 1,5 milliard en CLS pour nos services de première ligne en CLSC. Ça inclut aussi la santé mentale. On n'en a pas beaucoup parlé oui, aujourd'hui, mais, mais c'est majeur. La, la santé ça. mentale et la problématique du suicide. Chaque jour au Québec, trois personnes personne s'enlève la vie. C'est incroyable qu'on n'ait pas une stratégie nationale de prévention du suicide qui soit inclue dans notre plan de prévention, que ça ne fasse pas plus qu'une page. En fait, il faut l'adresser. Et ça, le meilleur endroit où on peut l'adresser, c'est encore une fois en CLSC, où on serait capable d'avoir accès à nos travailleurs sociaux, nos psychologues, qui peuvent à la fois intervenir avec la psychothérapie, mais aussi avec d'autres interventions hyper pertinentes, comme par exemple l'ergothérapie, qui nous aide à retrouver des activités significatives suite au fait qu'on a perdu notre emploi, puis qu'on est perdu dans la vie, on ne sait pas où se réorienter. Bien, la réadapte à l'emploi ou retrouver des activités signifiantes, c'est super important. Contrer l'isolement, favoriser la participation sociale, c'est toutes des interventions qui préviennent au niveau de la santé mentale, mais qu'on ne retrouve pas en GMF. Les super cliniques, un, un autre élément qui est déplorable, c'est qu'en en fait, à Montréal, ça a été démontré récemment qu'en gros, ce qu'on a fait, c'est de l'esthétisme. On a changé le mot GMF pour super clinique. Est-ce que ça le fait plus de prévention, de promotion? Non. Donc, il faut arrêter de penser au tout au médical, arrêter de penser au tout à l'hôpital. Il faut revenir à une vision fondamentale. Investir dans notre première ligne, des équipes où tout le monde est sur le même niveau en CLSC dans les quartiers. Vraiment. Merci beaucoup, Mme Roy. Euh, pour ceux qui ont regardé leur monde, vous avez vu qu'il est déjà 1h30. Euh, on voulait avoir un échange avec la salle, mais il y avait déjà eu des questions et je pense que les quatre candidats sont allés dans le sens de ce qu'ils peuvent faire pour améliorer les actions de santé publique. Et, et bien avant sur tous les autres déterminants. Alors, on ne peut pas prendre de questions. Euh, je ne vois personne qui est très frustré. Peut-être que si je vous donne chacun un petit 30 secondes pour faire le tour et agir sur un point principal, je voudrais aussi me préoccuper de votre santé mentale, comme on vient d'en parler. Alors, Mme Meroua, un petit 30 secondes pour conclure. Euh, excusez, Mme Meroua. Euh, Il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée depuis le départ, hein, c'est que c'est vraiment important de s'assurer qu'il y a du travail en interdisciplinarité qui est fait dans le réseau de la santé. Et qu'on redonne du pouvoir à tous les professionnels de la santé. Je pense notamment, quand on parle de nutrition, aux nutritionnistes. Euh, les nutritionnistes peuvent faire beaucoup plus et on peut davantage reconnaître leur profession. Et tout ce décloisonnement des professions, il passe par une chose, parce qu'il y a d'autres parties qui en parlent du décloisonnement des professions. C'est très bien, je suis contente qu'on soit rendu là. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier c'est que tout ça part de la revue du mode de rémunération des médecins. En ce moment, on fonctionne avec un vieux modèle, un modèle de rémunération à l'acte. Et la coalition Avenir Québec est la seule formation politique qui propose de s'attaquer à cet enjeu-là pour permettre aux médecins d'aller de, visiter des patients à domicile et que ce soit quand même rentable et attrayant pour eux de faire ça, de permettre le travail en interdisciplinarité, de permettre que les autres professionnels de la santé euh, s'accomplissent à un niveau supérieur à ce qu'ils font actuellement parce qu'ils profitent d'une plus grande autonomie. Et ça, là, la clé, ça passe par le mode de rémunération des médecins qu'on est prêt à, à pour s'assurer que finalement, on a, euh, on a un modèle qui est calqué sur les modèles de santé les plus performants dans le monde qui n'ont pas un mode de rémunération à l'acte aussi important que ce qu'on a. Merci, Mme Arel. M. Atala, un petit 30 secondes. Merci. Donc, vous vous souvenez, il y a quatre ans, la situation dans laquelle le Québec était 7 milliards de déficit, les banques sur le point de nous décoter. On a fait le travail, on a mis de l'ordre dans nos finances publiques, on a maintenant retrouvé les marges de manœuvre pour réinvestir dans les services. Ce que ça veut dire, c'est des lab-écoles pour avoir des milieux de vie attractifs pour nos jeunes. Toutes les nouvelles écoles vont être faites en mode lab-école, donc des repas attrayants, des milieux de vie attrayants, des endroits pour faire du sport. On veut en santé 2000 nouvelles infirmières praticiennes spécialisées pour donner les services là où on en a besoin, réduire les goulots d'étranglement. On veut investir dans les soins à domicile, continuer à le faire. On va avoir de la psychothérapie dans les GMF. Ma collègue en parlait il y a un instant. Gaétan l'a annoncé il y a déjà plusieurs mois de ça. On veut investir dans les transports avec des transports collectifs, pas seulement à Montréal, mais à Québec aussi, qui est une grande ville en Amérique du Nord. Le, le, nos autres citoyens du Québec y ont droit aussi. On veut mettre fin au cloisonnement médical, travailler en interdisciplinarité, certes, mais ce que la CAQ vous propose, c'est des chicanes avec les fédérations médicales pour les quatre prochaines années. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler en collaboration, en interdisciplinarité, continuer le travail d'investissement, puis continuer avec des objectifs qui sont mesurables, avec des mesures concrètes sur lesquelles vous pourrez évaluer si on a livré le travail ou non. Madame Lamarre. Alors, vous comprenez que ce qu'on entend, c'est encore un système centré sur les médecins. Et je pense que ce qu'on a dit depuis deux heures, c'est qu'il fallait changer ça. Et donc, le décloisonnement, je vais quand même m'approprier cette expression-là et cette mission-là, parce que c'est le Parti québécois qui, depuis deux ans, fait la promotion. Moi, au niveau des pharmaciens, j'ai décloisonné les pharmaciens la première. Et je me souviens que c'est par la santé publique qu'on est arrivé qu le mieux à avoir cette ouverture au départ. Alors, on est loin actuellement d'avoir une ouverture appropriée. Et en soutien à domicile, je veux bien qu'on ait besoin de quelques consultations médicales, mais en soutien à domicile, on a besoin surtout d'auxiliaires en santé et en service. On a besoin de psychologues, on a besoin d'infirmières, on a besoin d'ergothérapeutes, de physiothérapeutes. Arrêtons de tout mettre. Les médecins ne fournissent plus à la tâche. Alors, on les apprécie, on en a besoin, mais il faut absolument qu'ils s'attaquent aux, aux problèmes complexes et instables et que le reste du déploiement des soins et des services de soutien passe par d'autres problèmes il y a des chasses gardées au Québec. Il faut le dire. Le Parti Québécois est le seul à les dénoncer clairement et à dire il faut voir les choses autrement en partant des citoyens et des patients. Juste au niveau de l'environnement, juste rajouter le télétravail, le covoiturage avec le Tinder du covoiturage sont des moyens concrets de diminuer le recours à l'automobile, d'améliorer l'environnement parce qu'on sait que la pollution est principalement à 40% causée par le transport des voitures électriques. Euh, alors on doit travailler sur ces mesures-là. On a des, des aspects très concrets, très pratiques, et définitivement, on doit travailler avec les citoyens, à travailler avec eux, à faire leur, à, à ce qu'ils soient plus éduqués, qu'ils fassent le choix par eux-mêmes. En nous, on pense que pour réussir le changement, il faut susciter l'adhésion et non pas la coercition. Madame Leroy, je vous annonce la même chose, 30 secondes, mais comme tout le monde a secondes, défoncé, vous avez ouais. peut-être droit à 32, 33. <laughs> Je suis d'accord avec Mme Lamarre, il faut décloisonner la prof, les professions. Par contre, je vais redonner la parentalité du terme au premier qui l'a dit au Québec, c'est Claude Castonguay, dans les années 70. On parlait déjà en, dans les années 70 et, et ça me décourage. On parlait déjà qu'il fallait redonner plus d'actes aux autres professionnels de la santé, qu'il fallait travailler dans le communautaire, avec des organisateurs communautaires qui agissaient sur les déterminants sociaux de la santé. La solution ou la recette, on la connaît depuis les années 70. Rochon, Claire, Long, Redit, on le sait quoi faire. Ce que ça prend, c'est un gouvernement qui est capable de dire aux lobbies les plus puissants actuellement, qu'on connaît tous. Non, ce n'est pas vous qui allez orienter nos lois, nos politiques. Ça va être le lobby qui devrait être le plus puissant, celui de la population en général et particulièrement la population la plus vulnérable, les personnes les plus pauvres. Parce que notre réseau de la santé actuellement, c'est comme s'il y avait une incapacité à s'adapter aux personnes les plus vulnérables. Quand on parle de tablettes, d'applications, ça, ça rejoint pas du tout les personnes qui sont le moins en santé, les plus vulnérables. Et il faut changer nos manières de faire pour agir sur la santé des personnes qui en ont le plus besoin. Donc je reviens à dire que oui, on s'attarder au réseau de la santé aussi longtemps qu'on le souhaite, mais le, le plus majeur, le plus important, et je nous invite à garder ça en tête, il faut agir sur le 90 qui a, qui, qui a un impact sur la santé. Donc, les inégalités sociales, l'environnement, augmenter le salaire minimum à 15 de l'heure, avoir des logements dans un bon état, des infrastructures qui nous permettent d'avoir des comportements acti, de, 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 actifs, du transport actif, euh, nos conditions de vie, la santé mentale. La dernière affaire qu'on a parlé dernièrement euh, sur la santé mentale, c'est notre fameuse loi anti-burnout. Donc, de faire en sorte que... En ce moment, ça nous coûte 3,5 milliards par année à nos entreprises, le surmenage et la dépression. Et, et ces mots-là, donc, euh, la loi anti-burnout, c'est principalement de mettre des conditions en place pour prévenir l'épuisement professionnel partout, dans toutes les entreprises. Je vous dis merci, mais officiellement, c'est Régent, le doyen de l'école, qui va faire ce mot, ces mots de remerciement. D'accord. Bien, merci beaucoup. Merci à nos représentantes et notre représentant des partis politiques pour ce bel exercice démocratique. On les applaudit. Bravo. Merci à notre animateur, modérateur Alain Poirier. Merci Alain. Et bien sûr, merci à vous et merci à ceux à la maison qui nous ont suivis. On a eu une très bonne audience sur Facebook. Je vous invite euh, au cours des prochaines semaines à célébrer le cinquième anniversaire de l'école de santé publique. On aura la semaine prochaine le 4 ici même à 16h30 une conférence magistrale d'une de nos chercheurs et professeurs euh, qui a une réputation internationale, Louis Potvin qui nous parlera d'agir localement pour la promotion de la santé. Nous aurons la remise d'un doctorat honorifique à Marc Lalonde le 10, avec un petit débat, une petite conférence sur les impacts du rapport Lalonde au Canada et à l'international. Et le 11, à 16h30, un colloque sur les boissons sucrées. Je vous invite euh, à y participer, où on traitera de l'impact des boissons sucrées, on traitera des modes d'intervention, notamment de la taxation des boissons sucrées, avec une belle brochette euh, d'invités. Merci beaucoup encore une fois à tous et à toutes, et suivez-nous sur Facebook pour euh, les prochaines activités. Au revoir. N'oubliez pas, pas d'aller voter. <laughs>